c'est Jack Booby et on se retrouve sur du Gotham Knight. Qu'on va continuer la suite de nos aventures et que nous devons parler à Alfred pour Harley Quinn. Parce qu'on va continuer l'histoire d'Harley Quinn. Il faut arrêter Harley. Elle s'en prend à des innocents. Et on sait toujours pas ce qu'elle cherche à faire. Il me semble que c'est le docteur Q qui sème tout ce chaos, non? C'est bien ce que j'ai dit. Oh, bien sûr! Si on ruine l'empire du docteur Q, Harley pourra plus faire de mal à personne! Peu importe quel pseudo elle utilise. Voilà qui me semble être un plan raisonnable. Merci, Alfred. Ben voilà. Ben Alfred est plus là. Bon, on prend par contre Nightwing. Parce que j'ai pris un peu tout le monde là. Nightwing, c'est le seul que j'ai pas pris aujourd'hui. Alors. Harley est toujours là, ce qui veut dire que le mystérieux puce également demande protéger avant qu'elle ne cause trop les rats de labo du docteur, d'accord. Bon, puisqu'apparemment on va faire la cour des hiboux là. Voilà. On va aller faire la cour des hiboux. Hop. Elle est où cette cour des hiboux? Là-bas, ok. Terminer l'objectif, hein? Quel objectif? Examiner les tableaux d'épreuve. Allons voir tout ça. Qu'est-ce que nous avons encore? Vous avez rendez-vous avec Monsieur Hendrix. Merci pour les infos, Beffroi. Merde. La cour a mis la main sur Hendrix. Il y a un gang qui sévit dans la zone. Avec un peu de chance, c'est Hendrix. On a besoin d'agents près du centre de recherche navale de Gotham. Bon,
faudra que je regarde les infos. Hop. Je veux le rat qui s'y cache. Bien sûr. Tiens, des membres de la cour. On dirait que je tombe à pic. Tu n'as aucune chance. Facile quand les méchants tendent la joue. Non, c'est la pression, ne lâchez rien. Il n'est qu'une victime de plus. C'est parti. On le décide. Je savais que ce jour arriverait. Si vous saviez toutes les choses que j'ai entendues à l'hôtel. C'est pour ça que la cour voulait vous faire taire. Quoi, ils existent vraiment? Ça explique les masques. Écoutez, un de mes gars leur donnait des infos, et vous savez quoi? Vous devriez les avoir aussi. Merci pour le disque dur. On va prendre le relais maintenant. Cette ville part vraiment en vrille, je vous jure. Ouais. Ouais. Beffroi, je me suis occupé de la cour, et j'ai récupéré un disque dur. Excellent. Retournez au Beffroi pour que nous puissions décider des prochaines étapes. On y est presque. On s'en va. Hey, let's go. On revient au quartier général. J'ai chargé les données de Hendrix. Ce sera bientôt prêt.
J'ai vu Bruce faire la même grimace quand il séchait sur une enquête. À quoi tu penses ? Tout commence au moment où Ra's al Ghul attaque Batman, mais j'arrive pas à établir un lien. T'as jamais eu à combattre la Ligue, n'est-ce pas ? Ra's était un fanatique. Il a fondé la Ligue des Ombres il y a des siècles pour éliminer la corruption. Sa philosophie, si on peut parler comme ça, c'est qu'il faut savoir détruire pour reconstruire. Il a rasé de nombreuses villes au fil des siècles. Il s'en est pris à Gotham. Batman l'a arrêté. Étant admiratif, il a fait de Bruce son héritier. D'un coup. Mais Bruce lui a dit non merci. Résultat, Ra's a laissé Gotham tranquille. Jusqu'à ce qu'il se pointe à nouveau et... Bruce... D'après Talia, Ra's se conduisait bizarrement quand il est mort. Ouais. Je parie qu'elle nous a pas tout raconté. Minute. Et si le point de départ remontait à plus loin ? Batman est mort alors qu'il enquêtait sur la cour des hiboux. Tu crois que Ra's était au courant ? Mais pourquoi attaquer son héritier ? Il a deux obsessions. Purger la corruption et protéger les puits de Lazare. Alors si la cour se sert d'un extrait des puits pour créer des ergots... Ra's pète un câble, il intervient, ça dégénère, lui et Bruce trouvent la mort. Et sans Batman pour enrayer la corruption de Gotham, la cour déploie ses ailes petit à petit. La Ligue suit Ra's jusqu'à Gotham, et il n'y a personne pour les empêcher de frapper la cour. Gotham City devient l'épicentre d'une putain de guerre. Ah ! Personne pour la sauver. Alors on va s'y coller. Ouais. C'est ça. Et on sait ce qu'on doit faire. Démanteler la cour. Et chasser la Ligue de Gotham. Il me manque. Parfait. Le disque d'accord. De Monsieur Hendrix nous a fourni exactement ce dont nous avons besoin. J'ai trouvé une cachette pour Monsieur Hendrix. Son ancienne était compromise, mais il va bien. Contente de l'entendre. Ok, alors. Stylé. Ok, bon. Continuons la suite. Quel level cette fois ? Canada 12, on est plein dedans. Ouais, on va aller plutôt dans le... Alfred. Prends du thé. Prends du thé, Alfred.
là-bas. Ouais, par contre, les chargements, ouais, ça va vite, hein. Je suis à l'orchard d'hôtel. Les portes de la terrasse doivent être ouvertes. Vous pouvez entrer par là. Penthouse ? Sans blague. Vous pourriez apprécier davantage tout ce que je fais pour vous, monsieur. Alfred est autant de gentleman. Ok. Cherchant ce qu'on doit chercher. Beffroi, j'y suis. On va écouter les hiboux et comprendre qui est qui. Tu peux sûrement espionner depuis la salle de bal si tu trouves un bon point d'observation. Évite juste de te faire repérer. La salle de bal est ici. Impossible que tous ces gens aient connu Bruce. Pourquoi c'est long comme ça ? La fête va être finie le temps qu'on rentre. Tu es toujours aussi impatient. C'est moi ou la sécurité est renforcée cette année ? C'est tout à fait ça, hein. Comment tu le sais ? Parce que tu m'as dit la même chose l'année passée, et l'année d'avant, et celle d'encore avant. Super. Je me suis pas fait repérer. Flippant. On va impressionner la voix ce soir, je le sens. Il dormira avec les poissons. Froid. Les systèmes de sécurité sont coupés. Bien joué. Et n'oublie pas, ces gardes sont en réalité des membres de la cour. N'hésite pas à les éliminer. Un intrus ! On le déstabilise ! Bravo !
Pourquoi pas? Et voilà, je peux y aller. Non, je vais pas y aller parce qu'il y a un coffre. Je vais entrer dans la salle de bal. Bien joué. Il y aurait eu un coffre pas à travers. Oui, là. Parfait. Examinons ça. Si jamais Dieu voulait prendre. Qui de vous est à la cour des hiboux? Fais attention et enregistre tout ce que tu peux. Vous avez signé le livre d'or? Comment y échapper? J'ai des gens à épater, moi. Vous avez vu le gratin qu'il y a ici? Oui, des sénateurs, des juges, des PDG et même le maire. Ça, il peut pas me recevoir. Je suis quand même le maire. J'ai peur qu'il ait pas le temps pour ça. Dites au colonel Kane que je ne renoncerai pas. Je mérite le respect, non? Bien sûr que oui, maire Tsai. Je transmettrai votre message. C'est dur à croire que Bruce Wayne soit parti. Je sais. J'espérais être sa cavalière cette année. C'est tout ce qu'ils ont pu concocter pour le grand Bruce Wayne. C'est vraiment pathétique. À ma mort, ce sera un vrai spectacle. Des feux d'artifice, des danseurs, des sculptures de glace, et totalement. Regardez ça. Même dans la mort, Wayne essaie de nous supplanter. Laissez-le profiter de sa soirée. Bientôt, ce ne sera plus un problème. C'est vrai. Nous devrions plutôt célébrer sa mort. Que pensez-vous que ce soit? Il y a quelques résultats. On va tous les avoir. Vous êtes déjà allé dans l'escalier est de l'hôtel? Celui qu'ils ont condamné? Il serait hanté. C'est ce que j'ai entendu dire. Il y a des bruits, voire des cris. Et des griffures sur les murs. D'accord. Je croyais vous avoir dit qu'une tenue correcte était exigée ce soir. C'est une tenue correcte, ça? Tu as entendu pour l'assistant de Langstrom? Il méritait de partir. Comme Kirk, les gens oublient leur vraie place. La voix se souvient. Bon, où est la voix? Les affaires vont bien, même très bien. Qui aurait cru que ça nous donnerait à tous un bon coup de cravache? Pardon de vous interrompre, mais c'est l'heure. Ah, bien sûr. Nous continuerons cette conversation plus tard. Ah, te voilà. Ok. D'avoir toute votre attention. J'ai l'immense honneur de vous présenter notre hôte pour la soirée. Eh bien, bonjour la subtilité. C'est forcément la voix de la cour. Putain, on dirait trop le Joker. Merci pour votre chaleureux accueil. Mais cette soirée n'est pas pour moi. Nous sommes là pour rendre hommage à l'un des meilleurs fils de Gotham, Bruce Wayne. Oui, vous connaissez tous le Playboy. Je connaissais sa générosité. Il défendait Gotham de tout son cœur. Même s'il n'est plus là, les nombreuses contributions de Bruce se ressentiront encore pendant des décennies. C'est pour toi, Bruce. Dernier héritier de la merveilleuse famille Wayne.
Ton aide a été plus précieuse que tu n'aurais pu l'imaginer. Et puissions-nous, nous, les familles restantes de Gotham, être à la hauteur de ton inestimable contribution. Correspondance. C'est pas vrai, c'est vraiment la voix de la cour. Génial. Si tu le suis, on pourra peut-être découvrir qui c'est. Monsieur, les labos demandent plus de dionésium pour tenir les délais de production. Je sais bien. Des arrangements sont en cours. Dites-leur que le quota doit être respecté. Pas d'excuses. Merci, monsieur. Putain, ça m'énerve, c'est marrant, parce que j'ai envie de savoir qui c'est. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que je peux pas répondre quand je travaille. Ok. 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 En discrétion. Est-ce que tout est en place ? C'est à la cour de jouer. Excellent. Rendez-vous en bas. Porte. La voix a disparu dans un ascenseur. Je l'ai perdu. Ouais, j'ai perdu le signal ici aussi. On dirait qu'il était entre deux étages quand ça a coupé. C'était quoi ? Nightwing. On a trouvé un 13e étage caché sur les plans de l'hôtel. La voie est peut-être passée par là.
écoute, faut chercher à nouveau. Vas-y, rentre. À moi, le 13e étage secret. Ha. Beffroi, il y a une porte. C'est forcément la cour. C'est compris. Faites très attention. Ah, un coffre. Et faites descendre. Qu'est-ce que ça va être? Oh, une sorte de bibliothèque. Des livres en tout cas. Voir ce que la cour des hiboux veut cacher. La cour des hiboux voit tout entre les murs de Gotham. C'est une vérité littérale. Nous bâtissons nos nids parfaits au sein de notre ville parfaite. D'accord. C'est la vieille voix de la cour, sur vinyle. On dit que la tête du hibou peut faire un tour complet, pour mieux voir derrière ce qui pourrait approcher pour frapper dans l'ombre. Tandis que nous arpentons les halls de la gloire, la tête haute, nos desseins se cachent dans les murs alentour. Notre cour nous murmure à l'oreille, comme Cyrano face à son destin. Tandis que nous arpentons les halls de la gloire, la tête haute, nos desseins se cachent dans les murs alentour. Notre cour nous murmure à l'oreille, comme Cyrano face à son destin. Effectivement. Voilà, ok. Un aigle, enfin un hibou plutôt. Qu'est-ce qu'on a là? C'est vieux, hein? Désolé d'écourter votre réunion, les gars, mais qu'est-ce que vous regardiez comme ça ?
Wesh! C'est quoi ça? Quand le docteur Langstrom a été démasqué, qu'on a su qu'il travaillait pour des cafards, on l'a éliminé. Nos alliés ont... On a vu juste. La cour a tué Langstrom. Ce briefing pourrait faire très mal à la cour si on pouvait le remettre aux autorités. Le nettoyage n'est pas terminé. Vous devez tout détruire, comme si Langstrom n'avait jamais existé. Nous devons faire passer un message. On ne reste un hibou de la cour que tant qu'on est loyal envers la cour. Toutes les personnes mentionnées ici sont mortes ou portées disparues. Ce doit être une liste de personnes à tuer. Possible. Nightwing, la cour a ordonné ta mort. Ok. Il m'intrigue. De qui ? Batman ? C'est l'histoire de l'architecture de Gotham. La cour devait être impliquée dans la construction de tous ces bâtiments. Ça, c'est le tribunal. Le commissariat du GCPD. C'est la cathédrale de Gotham. La mairie. Bien, et maintenant ? C'est logique. Différents pouvoirs dans la ville. La cour se devait de les contrôler. Bien sûr. J'aurais dû me tromper, c'était vous.
d'un ancien membre. Gotham est un moteur de progrès. Un hymne au pouvoir des hommes et de l'argent. Une utopie que nous avons bâtie. Masque de la cour des hiboux. Aux malheureuses souris piégées pour notre plaisir, puissent-elles savoir sans vraiment comprendre cette simple vérité ? Nous contrôlons tout. Ok, d'accord. Impressionnant. Il est temps qu'on discute. Allez, finissons-en. Marchez jusqu'au tableau. Vous avez réussi, mais sans l'aide de personne. Il est hors de question que vous ou la cour détruisiez Gotham. Détruire Gotham ? Nous essayons de la sauver, de préserver sa gloire. Je sens que vous avez en vous le potentiel de faire la même chose. C'est ça, ouais. Vous êtes comme tous les autres voyous masqués. Ce n'est pas moi qui porte un masque. Richard. Jacob. Kane. Mais comment saviez-vous ? Je sais. Tout comme je savais que mon neveu Bruce jouait au gardien de la paix dans son pyjama blindé. Vous en faites pas, j'ai rien dit. Par loyauté envers Martha. Nous avons tous des doubles vies, à vouloir sauver la ville du chaos. C'est juste que notre cour est bien plus discrète. Les citoyens de Gotham ne sont pas parfaits, mais ils ne méritent pas ça. Vous détruisez la ville, vous ne la sauvez pas. Oui, Batman aurait sans doute dit la même chose à votre place. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé à Bruce. Nous avons le même but. Les mêmes adversaires. C'est du gâchis de ne pas nous rejoindre. Moi, je ne suis pas un assassin. Nos stratégies diffèrent, je dois l'admettre. Vous avez tué Kirk Langstrom et son assistant. Ça n'aide pas Gotham, ça vous aide vous. Ceux qui ont décidé de nous trahir connaîtront la souffrance. Langstrom a trahi la cour. Bruce utilisait son argent pour protéger cette ville. Vous œuvrez pour vous seul. Bruce vous aurait détesté pour ça. N'invoquez pas mon neveu contre moi. Bruce me manque. Je veux des réponses sur sa mort, exactement comme vous. On ne se ressemble en rien, Kane. Entendu. J'ai protégé Bruce, mais je ne vous protégerai pas. Si vous voulez pas nous rejoindre, vous connaîtrez le même sort que Langston. Alerte, attention ! On nous attaque dans la salle de bal ! Ils ont surgi de nulle part ! J'ai d'autres problèmes à régler pour l'instant. Restez hors de mon chemin. La suite ne va pas vous plaire. Wesh! C'est quoi ce bordel? Faut retourner à la salle de bal. Thank you.
D'accord. Les ombres s'est invité à la fête. Entendu. Les secours sont prévenus. Dégage. Ok. Non. La plupart de ces gens étaient innocents. Oh putain, c'est quoi ça? C'est parti. Allez, dégage. Ok, dégage. Le GCPD va pénétrer dans l'hôtel. Je vous suggère de déguerpir. Oh
Ok. Montoya, c'est Nightwing. J'imagine que vous êtes au courant pour l'hôtel. J'ai pu tout voir. J'étais là. Vraiment? Et ça vous dérangerait de me dire qui sont les assassins? Ça, c'était la Ligue des Ombres. De vraies plaies. Je vous envoie nos archives. Bon, bah, retournons au quartier général. Objectif bonus terminé. Le massacre de certains de nos meilleurs éléments à leur garde d'hôtel est un nouveau déshonneur pour Gotham. Il est temps que les vrais héros, le GCPD, s'imposent et rétablissent l'ordre dans notre ville. Il faut la reprendre. Ouh. Étonnamment, la commissaire Kane ne correspond pas aux voix récupérées. Hé hey! Elle ne fait peut-être pas partie de la cour, mais il n'empêche qu'elle pourrait tout de même l'aider. Elle a quand même épousé Jacob. Catherine ignore sûrement tout du secret de son mari. Je connais bien Jacob, et jamais je n'ai eu le moindre soupçon à son égard. Ce salopard a bien trompé son monde. Même Bruce. C'est ceux qu'on a identifiés au gala. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Tous ont été tués à l'hôtel par la Ligue. Le colonel Kane est le seul survivant confirmé, et sûrement la vieille Cobblepot. Mais on n'a pas de ses nouvelles. Et la cour n'est sûrement pas composée que de Jacob Kane et Constance Cobblepot. La voix toute puissante avait raison, pas vrai? Personne ne croira qu'une comptine attire les ficelles de Gotham depuis si longtemps. Mais les gens croiront que Jacob Kane a fomenté le meurtre de Langstrom. Et on a suffisamment de preuves solides. Donnons ça à l'inspectrice Montoya. Voyons si ça suffit pour qu'elle monte un dossier. Je veillerai à inclure la liste des membres identifiés, morts ou autres. On doit rester sur nos gardes. Jacob attend sûrement qu'on tente quelque chose. On devrait parler à Talia. La cour et la Ligue semblent décidées à s'y triper. Alors préparons-nous à être pris dans leur tir croisé. Effectivement. La Via Palace. Il y a de nouvelles infos sur le tableau d'épreuve. Yep. Catherine Kane fait pas vraiment de cadeaux à la ville. Ça va déjà assez mal entre la cour et la Ligue sans que les flics viennent en rajouter. Nos nuits risquent de vraiment se compliquer. Ouais, allons voir Talia. Et hop, on sort. Nous avons repéré Talia dans un parking au centre-ville. Je vous envoie sa position. T'aurais dû nous avertir. Ta Ligue, elle a tué tellement de gens. Est-ce que ça ressemble à ma Ligue? Est-ce qu'ils ont décapité la cour? Et toi? Non. Malgré tous nos efforts, la voie est toujours là. La Ligue continuera à se battre, peu importe les dommages collatéraux. La cour et la Ligue se battent dans les rues, et Gotham en paie le prix. Si nous ne sommes pas là, combien vont mourir? Beaucoup.
La Ligue va ravager la ville. Et la cour mijote quelque chose d'encore plus important. Tu veux dire quoi ? Langstrom a écrit que des cobayes vivants feraient des ergots plus puissants. Je ne veux pas être là quand ils émergeront. D'ailleurs, comment tu en sais autant sur les ergots ? Bien que j'apprécie nos discussions, Gotham devient trop dangereuse. Merci de me laisser tranquille. Beffroi, vous avez tout ? Ouais, des ergots améliorés se dirigent vers toi. Ça va être un peu plus compliqué d'éliminer la cour des hiboux. Bon, il est temps d'aller secouer quelques arbres pour voir ce qui en tombe. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, la suite, au prochain numéro.